C'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Vous avez joué 3 heures. Ah bon? J'aurais dit plus. J'ai joué que 3 heures. Mania, ça m'étonne. J'aurais dit 5-6 heures, moi. Nigga! Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui va pas, si j'ai merdé quelque chose au niveau du direct, parce que je regarde aucun retour. J'ai juste mon écran secondaire pour le chat. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques s'il y a un truc que j'ai merdé. On avait le boss du samouraï ninja là qui m'en faisait baver. Press Garden. Ah oui, c'est pas de la tarte. Ah, puis il y a le boss intermédiaire que j'aime pas, là, celui qui bousille les caisses dans l'entrepôt. C'est stressant. C'est stressant, messieurs, dames, c'est stressant. Oh. Ah, il y a une ampoule à péter. Ah, les ampoules interrupteurs. Oh, les niveaux bonus, je les aime pas. Ah oui, c'est vrai, c'est les lettres. Ah oui, et puis évidemment, j'y suis allé au mauvais moment. Pas facile, leur histoire de... Ouais, ça va pas... Je vais pas être copain avec le dispositif, là. Ouais, c'est mieux. Ah oui, le truc qui compacte tout. Il y a un truc là, je crois. Ah merde, je peux pas y aller. Ah, ah oui, il faut péter la l'ampoule interrupteur. Voilà. Et là, je peux passer au niveau des crabes qui jouent avec le disque si circulaire. Boring. Allez, hé, fais ton bon Sonic. Bon 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 bon. Oh là, c'est dur. En particulier. Sous les pétales, il y a un propulseur à ressort. Merde. Heureux, mon cher docteur boutique. Heureux. Voilà. Ah
Oui, parce que... Merde, merci. Oh, génial, j'ai gagné une vie. Vous avez plaisir. Oh, on ne mord pas dans l'autre sens, salé. Ah, le boss. Le boss de l'entrepôt. Boss que je ne comprends pas parce que je me fais patater et il faut que je récupère mes anneaux pour pouvoir l'exploser. Sans quoi je meurs. Vous voyez? Donc je m'acharne sur lui pour pouvoir le patater. Voilà, sinon... Oh, il est chiant. Hein. Je suis passé de 150 anneaux à 5. C'est vous dire la catastrophe au niveau... récolte de... Enfin bon, c'est pas grave, j'ai eu ma vie. Une vie qui va être précieuse face au boss. Au boss ninja... Samouraï. Dans cette ambiance japonisante, on peut le dire. Alors, cette deuxième partie était bien plus subtile, moins rapide et plus athlétique que la première. Ah merde, c'est vrai, il y a l'effet glaçon. Qui a ses avantages et ses inconvénients, l'effet glaçon. Merde. Je pensais pas que j'étais dans le mauvais sens. Je ne me voyais pas être dans le mauvais sens. Il n'y a même pas de... Le truc c'est je peux aller me faire voir quoi. Ah. Il y a des anneaux en cadeau. Aïe. Aïe aïe aïe, oui ça pique. Bon. Drôle de disposition. La tête de Tails elle est pas mal non plus quand il est... Ouais. Merde. Faut briser la glace, messieurs dames. Faut briser la glace. Oh. Pourquoi il me remet là, lui? Ah! Oh merde! J'avais même pas vu que c'était un ennemi! Je croyais que ça faisait partie intégrante du décor! Oui, oui, oui! Ouais, je sais pas comment on fait. Il y a une astuce que je ne connais pas. Ouais, mais ça va m'aider en quoi? Thank you.
Aïe. Vachement bien pensé quand même. Voilà. Comment ça? Pourquoi Thaïs s'est fait bobo? Ah. Je me suis fait avoir par le lancer de... Ah, le ninja... Ninja Samurai! La bataille commence! Oui. Oh là là, oh là là. Aïe! C'est excellent! Franchement, c'est excellemment bien pensé, quoi! Oh la vache! Attention. Ouais, d'avoir pété son étoile, ça m'arrange bien. Merde. Ah, j'ai pas eu le temps de le toucher, merde. Oh, original. Attends, je laisse exploser là parce que... Merde, con. Oui, ça va faire bobo. Ah, oh, j'ai eu. Heureusement qu'il m'a... Il m'a gélifié, si je puis dire. Oh non, elle va être chiante là. Au-dessus, ça va. L'épine est passée au-dessus. J'ai le temps de toucher. Attends. Ouais, comme elle explose. Ouh, chaud. Joli. Elle va exploser. Voilà. Oh, ouais, wow, wow, il en met combien là? Eh oh. Il va se calmer. Oh, il m'en met 3 maintenant. Ah, je l'ai eu. Comme quoi être frais. Être frais au combat, c'est important. Ah, on passe à la suite, intéressant. Je m'étais pas mal défendu la fois précédente. Mais je me souviens que j'avais... Je lui avais fait face 2-3 fois, et, mais ça suffisait pas. Oh, le docteur Boutique! Mais qu'est-ce que j'y vais? Mais c'est une blague. Mais c'est scandaleux. On est où? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Stardust Speedway. On est en Grèce là ou quoi? On est passé du Japon à la Grèce. Je comprends plus. Oh, oh c'est beau! Oh c'est poétique d'avoir pensé à un plafond pour... Ah oui c'est une lyre. On est complètement en Grèce. Un plafond de fleurs. Oh, c'est quoi ça? Oh vache. L'ennemi m'a pas perturbé du tout. Comment ça marche? Attends. Merde. C'est la mécanique du 3, ça. Avec les... Ok, ok, ça veut dire vous pouvez diriger vos rebonds à la CON. Ah oui, d'accord. J'ai pas eu le bon réflexe. Ok. Ah ouais, non mais. Dur.
Oh. Mais c'est du délire. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ah. Attends. J'ai pas tout compris. Il se passait quoi par là-bas? Ok. Ah mais non, mais je suis revenu en arrière. Ah mais non. Objection, votre honneur. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est quoi cette filouterie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là! Oh la violence! Oh! Ah oui! Merde, j'ai pas frappé le point de contrôle. Point de contrôle! Point de contrôle de la moque et tout. Allez, passez-moi tout ça. Merp. Merp. Hein? Quoi? Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bah alors. Merci. Yeah, yeah. C'est la luciole de la moitié. Oula, et ça, c'est des papillons de nuit, là, de je sais pas quoi. Ah! Il est à... Ah! Mais qu'est-ce que... Oh, vache. Oh, la violence. Mais c'est un ennemi que je ne peux vaincre. Je suis condamné à le fuir, lui. Mais comment on fait pour s'en débarrasser, des machins là? Oh. Allez, avec un saut, ça passe. Ah, il y avait un casque de gladiateur. Ah, oh! J'ai pas tout compris, mais c'était beau. Ouais, si tu veux. Oh! Cette propulsion de fou. Oh merde. Oh non! Mais ça part dans tous les sens. Et je suis même pas sûr, en parlant de sens, d'être dans le bon. Aïe, ça fait mal au cul, ça. Ah, attends, minute. Wow, ça va chercher loin. Ça va chercher loin, ça craint du boudin. Bon. Escalade, par ici l'aventure. Banga! De l'aventure. Boing. Hop. Oh là là. Ah! J'ai encore la plante de mes deux qui vient d'apparaître là. Ah oui, ça... Oh, quelle horreur! Pourquoi t'as freiné, Sonic? Tu es contradictoire. Pour un petit hérisson bleu. It's a blue. Oh, un boss. Que Giga Luciole. Oh. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Que la lumière soit. Oh la vache. Ah. Ça, ça fait mal. Subtil. Oh. Oh non, non.
J'ai dégagé. Merde, j'ai plus qu'un anneau, ça craint. Oh le bol. Oh j'ai eu du bol. J'ai vraiment eu du bol sur ce coup là. Il y avait une autre phase, j'étais mort. J'étais foutu. Non. La notion d'espace-temps. Oh, faut qu'il se barre dans le futur. Oh c'est pour vrai. Ça c'est du Sonic CD que je connais très mal. Il paraît qu'il est très particulier. De la notion d'espace-temps, de le même niveau, mais soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Je vous le ferai, hein, j'ai la chance de l'avoir, mais j'y ai très peu joué parce que ça me déroutait complètement. Oh. Ah, je vais poursuivre l'OVNI. Oh, c'est sympa. Hic. Alors, attends voir. Oh la vache. Ah ouais, alors ça y est. Quand ça s'excite, c'est foutu. Et ça s'excite très très vite. Oh la vache. Oh là 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 là. Ah oui, j'aurais dû sauter pour avoir plus d'anneaux. Oh là 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 là. Lamentable. Oula, aïe. On se calme, ça va trop vite. Quand il est à Mach 3, Sonic, ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Je ne suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là quand même. Ah, ouf. Oh non, c'est David Olive qui disait c'est plus chiant que les niveaux spéciaux de je sais plus quel opus de Sonic. Enfin bref, on en bave. Avoir les émeraudes dans le Sonic Mania, il paraît que c'est une quête quasi impossible. Enfin, c'est du travail d'acharné. C'est du travail d'acharné. On se croirait presque en discothèque, là. Avec les spots de... Aïe! De lumière. Qui c'est qui m'a piqué dans le cul? Dans le mou du derrière? Comme dirait Nayone. Oui. Ah, Jazzy. Et là, en boss, il y a le Docteur Boutique qui apparaît. Façon sexy sur du Careless Whisper. Il joue un numéro de charme à Sonic. Ce serait complètement délirant, mais vu le côté ultra riche de cet opus, non, la fusée, je lui faisais pas confiance, la fusée. Ça pourrait se produire avec tout ce qui se déroule sous nos yeux. Mais ça devient reptilien dans les réflexes, là, c'est pas possible. Plus rien. Non, bouge de là, le... Ouais. Oui. Oui. Oh oui. Oh magnifique. Quoi? C'était quoi ce truc? Sonic et le show à l'élastique. Aïe. C'est honteux, les piques-culs, là. Comme ça, on les voit pas du tout. Mais... Il va me laisser en paix, le petit cul. Oh non, il y a le retour des lucioles. Bon. Je peux pas les péter, les... Non, je crois pas. Hein. Mmh.
Oui, je sais pas pourquoi j'ai été claqué, mais bon, pourquoi pas. Bonjour, recoucou, tu une scène. C'est le boss, ça, non? C'est une arène de boss. Oh, c'est beau! Merde! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un hologramme ou il est vraiment là? Non, c'est un hologramme. Non, c'était un hologramme. Ah! Voilà le vilain. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il bouge vachement, je trouve. Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment je peux l'atteindre? Il est beaucoup trop mobile. Dois-je fuir? Délibérément fuir? Bizarre. Mais à quoi il joue? Ah! Ce serait donc ici le combat? Mais c'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est du délire! C'est complètement délirant! Attends, excuse-moi, Aéro, une scène, là, je suis perturbé. Ah, d'accord! Faut trouver moyen de lui propulser dans la tronche! Merci, Thaïs, mais laisse-moi descendre! Ah, Dakodak. Bon, alors, qu'on en finisse. Ou pas. Non, si il est mobile, ce serait pas le téléphone. N'importe quoi. Ah, il y a le docteur Boutique avec nous, dis donc. Pourquoi il prend l'émeraude? Non, il va se transformer. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh non, j'ai plus d'anneau, je suis mort. Mais depuis quand il se transforme en super robot avec l'émeraude? C'est les êtres organiques qui peuvent se transformer. Tiens, oh, j'ai failli atterrir sur son... Aïe. Merde. Ah oui, j'ai pas le droit d'être derrière puisqu'il défonce le décor, c'est logique. C'est logique. Oh, c'est honteux, j'aurais dû patater le docteur Boutique, là. La manière dont je lui ai tiré dessus, j'aurais dû le toucher. Allez, viens. Oh, j'aime pas quand il fait ça. Bien, Thaïs. Bien joué. Merde. Ah non! Oh! La collision qui me fout dans le mauvais côté de l'écran. Oh, docteur Boutique. Non, elle est pour moi l'émeraude. Donne-moi l'émeraude. Merde, j'y vais au moment où il y a la griffe. Con. Pas malin. Oh.
Oula. Oh, je suis passé sous la main. C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Ouh. Ah bah, il s'en fallait peu pour que ce soit moi qui... Ah oh, à moi l'émeraude. Non, salopard. Ah. Bien joué. Très très bien scripté. Oh, coup de main, non, non. C'est gentil, mais non. Mais c'est très bien. Oh, c'est beau, en fil de fer, son robot. Il fait de l'ingénierie, le docteur Boutique. Il prépare sa prochaine machine. Son prochain automate. Hydro City. Youpi, un parc d'attractions comme je les déteste. Non, pas l'oxygène. Très joli recyclage de niveau. Oh, la méduse. Oh, oh. Joli. Oh, Tess va mourir. Oh, le pauvre. Ou moi. Non, c'est Tess qui meurt. Oh, le pauvre. Il a bu la tasse. Ah, j'aime bien comment qu'il nage. C'est bien. Oh. Ah! Ça m'a fait peur. Aïe, 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 aïe. Attends, il y a peut-être un truc intéressant en restant sous la flotte, non? Ou pas? Attention, là, j'ai pas d'oxygène. Merde. Bah oui, mais il faut... Merci. Il faudra peut-être me donner un peu d'air. Après. Oxygène. Pitié. Ah. C'est très malin comme idée à éviter tout ce qui pique. Très très malin. J'aime bien. C'est rigolo. Oh, c'est beau. Nous avons une pirogue. Oh là. Aux couleurs du docteur Boutique. Oh vache. Nous avons des requins blancs volants. Encore 30 minutes de caméra café. Tiens. Ah oui, oui, oui. Laisse-le digérer sa purée. Oh, ça parle mal. Ça y est, c'est reparti. Twinsen et Fun Fan qui se chamaillent pour changer. Non, c'est pas la bonne direction. Non, mon pauvre Tails, tu vas mourir noyé, mon pauvre. Hop là, vite, 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 vite. Hein? Je rêve où il fait du tuba, le docteur Boutique, là. C'est quoi ce délire? Attends. Bah, c'est quoi la suite? Ah.
Alors attends, oxygène. Ouais, merci. Ah. Ah oui, fais du tuba. J'ai pas rêvé. Je comprends pas. Ok, il a miné le terrain, ce niveau. Je vais crever. C'est ballot. C'est ballot, c'est pas bon. C'est bien, au moins j'ai passé le ninja samouraï là, le côté Japon. J'ai même passé du coup la Grèce. D'une seule traite, par coup de bol. Je pense que l'effet de surprise m'a porté. Ah, j'étais pas passé par là la première fois. Oh la Méduse! Ouais, non, je peux pas aller. Aïe 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 aïe, j'ai réagi trop tard. Oxygène! Merci. Salopard, et je vais crever moi aussi. Si j'atteins pas la zone des bubules. Bubule. Oh. Voilà, le pauvre Taizu, il a bu la tasse. Wow. Ah, oxygène. Merci. Heureusement que j'avais vu la bulle au vol. Oh là là, c'est dur. Oh, c'est pour moi ça. The Master Bubble. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? J'espère rejoindre assez rapidement la surface. Ah bah. Point de contrôle, ça aide. Merci. Merde, pas merci. Oh! Saleté de méduse. Mais. Ah. Ah oui, non, que je suis bête. Que je sois en. Géant casse-reptile, je crois. Taze a mal fini. Ouais, non, c'est trop dur. Non, mais non, mais non. Ah! Intéressant. La tortue de mes deux, là. Tortue pas géniale. Mais. Ah oui, c'est vrai que j'en oublie que j'ai besoin de respirer. Aïe. Non, bah, je suis mort. Je suis mort, mort, mort. Ah, cette méduse! Cette méduse qui me méprise. Comme la tortue. Oui, mais c'est formidable, j'ai zéro. J'ai zéro bulle d'oxygène, donc.
La 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 méduse de mes deux. Allez, fais-moi mal. Vilain beat. Vilain beat. Oh! Pour une fois que je parviens à atteindre le... Ah bah du coup c'est précieux ça. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de jours, exemplaires. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg émoticône souriant. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. Oula, attention, c'est un coup à finir éclaté dans le décor. Ah bah moi aussi, je suis à la menace de... Ah bah tiens. Il a bu la tasse, le pauvre Taze. Wow! C'était de la projection, ça. Alors, attends. Serait-ce le boss? Non? Oh non, on y retourne. Mon enthousiasme est nul à l'idée d'être immergé. Merci. Ah, il y a encore un truc scripté. Non, il recommence avec son tuba. Mais le docteur Boutique et ses vacances à la mer, non, c'est pas pour moi. Ah oui, c'est vrai, c'est là que j'étais mort d'ailleurs précédemment. J'ai pas pris le même chemin. Mais il faut que je me barre. Ouais, c'est angoissant. Et merde, et là je suis mort. Je suis mort parce que le temps contre Carib. Oh la vache. Je peux le faire suer avec son propre matos. Elle est bonne celle-là, il n'a pas eu le temps de rejoindre. Message son... de Docteur Boutique 11. J'ai été fécondé et je suis né dans une boutique hôpital et je me marierai dans une boutique de cercueil. Mylène Farmer. Oh, c'est rigolo. Il faut que j'appuie pour diriger le truc. Merde, là je l'ai sauvé là. Attends, faut que je maîtrise le truc, mais c'est rigolo. Ah, j'y arrive pas. Une boutique de grunts. Mais je peux me faire bobo avec le truc ou pas? Ah oui, je peux me faire bobo, on est d'accord. C'est logique. À mon avis, il faut le coincer dans un... Voilà, là il s'est mangé un truc. Ah, il aime pas, il panique. C'est rigolo d'inverser les rôles. C'est rigolo. Il y a du génie. Il tire une tête. Viens par ici, gros poisson, là. Viens par là que je te chope. Allez mon gros, allez, la pêche est bonne aujourd'hui. Viens par ici de prendre une torgnole. Bah, merde, il y a échappé là, j'étais trop au mollasson. Ouais, ouais, ouais. Mineur de mes deux là.
Merde. Ah. Voilà. Ouh. Eh ben dis donc. C'était rigolo. Très bien pensé, bien vraiment apprécié. Changer les rôles, c'est vraiment très divertissant. Et là vous avez Thaïs qui vous fait un dab. Il se la pète. Wow, ça commence fort. Wop, 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 wop. Ah, de l'air. De l'air. J'ai cru que j'allais y rester. Oxygène d'abord. Merci. Oh. Message de Docteur Boutique 11. Je regrette mon âge d'or sur la Mega Drive, c'était plus facile pour abattre Sonic. T'es pas faux. C'est vrai que le 1, le tout premier, il est quand même corsé. Wow. Oh non! J'ai merdé ma glissade. Oh, deg. Bah tiens, le requin, il m'aurait aidé à passer le... Bon, bref. Ah, c'est les trucs du 3, là, qui sont vicieux, qui sont sortis. Oula. Ah merde. Je me disais j'étais dans le rythme, mais je pensais pas qu'on allait faire une transition avec un autre dispositif. Oh vache. Oh! Oh oui! C'est merveilleux! Je suis invulnérable! Et c'est ça qui est bon! Ah oui, merde. Oh. Chiant. Oh. C'est bon, Charles, de gagner une vie. C'est bizarre le décor de fond là avec la grille et comment ça s'appelle? Les chandeliers là. Reflex. Ayant faux dans ce jeu. Je veux bien. Oh, j'ai libéré des petits lapinous. On l'a vu, ils étaient tout mignons. Oh, le boss. Ou pas. Encore. Oh, c'est génial. J'ai récupéré toutes mes vies. Oh, merde. Merde. Oh, ça craint. Ah. Aïe. Ça pique le cul, ça. Vous avez des anneaux.
Non, vous n'avez pas d'anneau. Merde. Je peux rien faire, là. Ah, c'est Thais qui était mourant. D'accord. Enfin, moi, c'est pas mieux. Une bulle, une bulle, une bulle, une bulle. Une bulle! Vicieux, mais très... Ouais, vive le casino. Très bien pensé, là. Allez! Ah, il est pas évident du tout, ce boss. Aïe, merde. Pas mal le jeu d'adresse, pas mal. Faut réussir à lire rapidement la config. Je manque d'air là, il me faut des bulles. Il me faut des bulles les gens, il me faut des bulles. Ah, bulles. Ce qui me fait peur, c'est l'absence d'anneau. Merde, il s'est pas pris le truc. Ah, c'est chiant qu'il se soit pas mangé la mine. Ouais, mais je vois pas de bulle. Je sais pas où est la... Merde, je me suis piqué comme un grand. Ouais, non, c'est fermé. Faut rien faire. Chiller Strash! Je crois que le docteur Robotnik lui-même il est miné. Ah! J'avais pas fait gaffe, mais apparemment on m'a envoyé un message. Mon téléphone s'est allumé. Je m'en suis pas rendu compte, faudra que je regarde à la prochaine mort. En espérant que ce soit rien d'important. Mais je suis un abruti. Oh là là. Qu'est-ce que je veux contre les pics, moi? Ah d'accord! Il a carrément défoncé la mine. Tout va bien. Merde, il faut que j'arrête de foncer sur le. Bah, game over. Attendez, pardon. J'espère que c'est pas important. Ah. J'ai un client, en fait, carrément, qui me balance un SMS. 30 secondes, hein, pardon. Petit moment de pause. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, je verrai ça plus tard. Excusez-moi, mais... J'aime bien quand les personnes des panneaux informatiques vous prennent en photo leur écran. Le problème, c'est que souvent, ils pensent vous donner une bonne info, mais finalement, vous pouvez rien en traduire. Enfin, c'est pas traduire, c'est en déduire, au niveau de la panne. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien, il est... Enfin, avenant, c'est pas le bon terme, mais il prévoit le... Je suis censé le dépanner lundi après-midi, mais c'est pas grave. C'est rigolo. Allez, on y retourne. Hydro City. Hydro City. On veut des bulles pour respirer aussi. Eh oh, me donner une bulle d'air, ce serait gentil. Mais... Et ils veulent me faire crever. Mais oui. Mais c'est dégueulasse! Mais donnez-moi. Ah. Alors, Thais va boire la tasse. Et c'est moche!
petit muche. Oh, satanée méduse. Et c'est reparti pour les épreuves d'adresse. Merde. L'oxygène. À retenir. A de l'intérêt de vider la grosse piscine là. La cité aquatique là, ouais, elle a le droit d'être un peu rincée. Oh la vache. Ah oui, prenons de l'altitude, je me sentirais beaucoup mieux. Oui, mais là ça n'a plus d'effet. Il n'y a pas d'eau. C'est débile. Alors c'est d'autant plus débile que... Voilà. Ne me dis pas que je remets l'eau. Ah, merde. Oui, je suis d'accord. Ok. Il y a des moustiques à Venise. Elle est moustique à Venise. Ça parle mal. Non, oxygène. Non, visiblement, il n'y a pas de... Par là qu'il faut que j'aille, non? Tu m'as fait peur. Il m'a foutu des jetons là. Oh oh. Ah, il faut que j'évite les... Stylé. Procéder de la sorte, c'est trop stylé. J'ai même pas vu que c'était un pic. Heureux mon cher fan. Oh merde, je suis tombé de la pirogue. Merde. Ah. Voilà, c'était sûr. C'était sûr et en même temps, j'ai envie de dire, c'était nécessaire. Parce qu'une fois que l'ennemi est plus là, ça me libère la voie et j'ai plus de stress. Wow! Ah bah non. Un idiot, je suis un idiot. Mais pourquoi j'ai pas le droit de... Ouais.
Oui, attendez. Oxygène. Oxygène, s'il vous plaît. Surtout, prenez tout votre temps pour me donner une grosse bulle. Merci. Ouais, comme tu le sens, fan. Tu as reçu ton colis surprise et tu le testeras après ton direct. Et ah oui, merde, c'est vrai, c'est la fuite en avant. Concentration. Et on n'a plus qu'à espérer que Poupon et son colis Lego pour dimanche. Pour demain. Voilà, ah bah pour une fois que je le passe nickel, ça fait plaisir. Ah oui, c'était rigolo. Je veux bien la refaire celle-là. Message de Fun Fan 1992. C'est le jeu de sang-froid, un jeu d'aventure sur PS1 et fait par le même studio que le jeu qu'on va faire tout à l'heure. D'accord. Oh, bah j'ai eu rapidement. Je lui ai mis sa raclée vraiment en une vitesse. Et voilà, ils sont barrés. On les voit plus à l'écran, c'est rigolo. Chez Wigolo, j'ai pas trouvé d'endroit où je peux acheter la version PC. Ah merde. Ah! Là, j'ai eu le bon réflexe. Je vais passer par le dessus. Avec un peu de chance, j'irai pas me mouiller. Et ça m'arrangera bien. Ah! Attends. Voilà. Ah, merde, fallait sauter. D'accord. Moi, je pensais que j'étais pas assez haut, alors j'ai pas cherché à... Oui, mais du coup j'ai dans le baba parce que... Ouais, non, je peux pas sauter, mais non. Me mettre en boule et sauter dans la même seconde, c'est impossible. Oh, j'ai été... Oh là là, objection, monsieur l'arbitre, objection. Non. Ah bon, c'est déjà le boss? Mais non, c'est pas le boss. J'aurais été surpris qu'il arrive aussi vite. Trop tard. Oh, Thaïs, mon pauvre. Oula. Un hérisson. Attends, je te lirai juste après. Oui, j'allais dire, j'ai eu de l'oxygène, là, faut pas déconner. Un hérisson et un renard, pourquoi pas, mais pas un mode pandarou. Gros, les amis. Dans les amis de Sonic, là, on va les découvrir plus tard quand je ferai les aventures. Y a pas un pandarou dans le lot. S'il y a du beau monde, hein. À un moment, les persos de Sonic, il y en a une vingtaine, si j'ai pas de bêtises. Entre les gentils et les méchants, il y a pas mal de monde. Merde. Oh, tu ne sais pas. Il faudrait à l'occasion que je te passe les films Sonic. Éventuellement, oui, à l'occasion. Merci, c'est gentil. Ce qui paraît qu'ils sont pas mal, hein, les films Sonic. Ça se regarde. Il faut pas en attendre grand chose. Mais il paraît que c'est pas dégueu. Ah,
sais pas ce qu'il a déverrouillé, FaZe. Mais je vais avoir besoin de la main là parce que. Ouais. Ah! L'invincibilité qui fait du bien vite! Joli, 3 d'affilée. Classe. Off, non. Si, non. Allez. Pour l'exemple. On peut le dire, Sonic a les boules. Oh, on y croit? Vous croyez que je l'ai celle-là ou pas? Espoir. Espoir pas déçu. Yeah. Oh, un jeton en argent. Je kiffe les boîtes PS1. Oh, faudra que je refasse mon jeu de rallye aussi. Merci. Ça va, quand t'es calme, posé et encore frais, ça va. C'est bien équilibré au niveau des difficultés. À part certains passages assez sadiques. Mais bon. Voyage. Plus loin que... Ah, ça y est, c'est le boss. Ah, j'ai 4 vies, c'est intéressant. Alors, monsieur Boutique, docteur Boutique. J'en connais un qui va vite finir miné. Ah merde, j'en ai loupé une. Allez, concentration, parce que le boss est plus balèze qu'il n'y paraît. Merde! Décalé comme un Nico. En fait, c'est quand j'arrive à le toucher et à affecter son moteur que je gagne une bulle. Ouais, c'est l'oxygène dans le moteur qui se libère. Ah bah. On aurait dit que ça aurait été une simple formalité, dis donc. Ou pas. Oh non, ils vont pas recommencer. Merde, Oum. J'ai pas eu le temps de me mettre en boule. C'est particulièrement désagréable. Il est en train de me rincer à froid, là. Bien joué, Taze. Heureusement que Taze est là. Ouais, c'est ça. Et Sorage à 1200 tours minute, c'est ça. Merde. J'allais récupérer un anneau en me mettant en boule, mais non.
Ah, ça fait mal. Ça fait mal de se retrouver dans la première phase du boss. Ah, c'est... pénible. Ah, c'est bien, là, il va se manger les deux. Voilà, on a une boule chacun. Voilà. Qui se mange bien la mine. Merde. Ah, il a esquivé la chatoum. Vite. Ah, panique on board. Je vais crever. Ah, qu'il est... il est balèze. Ouais, ouais, ouais. Il est balèze, ce boss. C'est quasiment le sans faute qu'il faut faire. Bon, les deux mines offertes par la maison. Allez, hop, mange-toi ça, mon grand. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut, il faut se diriger au niveau de l'altitude. Là où il va déguster la mine. Je vous dis pas le bazar. Voilà, là il a dégusté, ça va. C'était limite. Merde. La mine doit être au-dessus. Bon. Alors, la phase essorage. Mais... bien. Oh. Oh, le bol. J'étais dans l'axe. J'étais au zénith du truc. Oh, le bol. Magnifique. Alors là, à mon avis, c'est une technique de speedrunner. Ça, c'est une technique de speedrunner que j'ai exécutée par chance. Merci pour les GG. Rigolo au coup de la rincer avec le mur qui éclate. Sous la... oh, c'est beau! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il y avait Knuckle. Oula. 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 Ah, ils ont recyclé le... la poursuite céleste, Sky Chase, du 2. C'est marrant d'être au niveau des messages des États-Unis d'Amérique. Oui, la coupe au bol, oui, je sais que tu tiens bon. Oh! Graphiquement, c'est astucieusement bien pensé. Les trucs mûches cactus. Ah, oh, c'est trop mimi. La musique, elle est originale en plus. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Merde. Ouh là 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 là, ça part dans tous les sens là, j'arrive pas à suivre. Quoi? Mais on dirait un retour vers le futur là. Il nous fait quoi? Hein? Non, c'est un niveau à part entière. Déconne pas. Oula, je te vois venir, toi.
Non, c'est un blablabla, pas les rails, je veux pas goûter aux rails. Pas au pic non plus. Que qu'il fallait faire. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, il y a un truc. Ah, c'était dans le wagon. J'étais dans le wagon de l'amour. Oh la magie. Ah, ils sont chiants, eux. C'est quoi ce flingue? Ah, 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 ah. Ah, génial. Aouh. Excellent. Oh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le chapi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapeau. Le chapi, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. C'est un scandale. C'est génial. Mais comment je le bastonne, lui? Oh la vache. Excellent. Mais il y a que des bonnes idées. Hein. Que vous de bonnes idées dans ce Sonic Mania. Vous pouvez un bronze dans votre couvre-chef. Aïe. Oh vache. Bah, autant sauter partout à l'écran, ce sera mieux. Parce que ça part tellement dans tous les sens. Aïe, il m'a piqué le cul, lui. Merde, il me reste plus qu'un anneau symbolique. Arrêtez en plein vol, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, le panneau qui est tombé du ciel et qui va finir en plein désert. Recristella. C'est du délire. Eh, j'enchaîne pas mal les niveaux. Hein. J'enchaîne pas mal les niveaux. Éparpillé façon puzzle, ouais. Oh, c'est qui, lui? Oh oh. Mede. Burp. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, Mirage Saloon. Mais on va l'avoir, le panda rouge, je te le dis, Poupon. On va l'avoir. Les panda rouges. Wanted. Bon, c'est pas un panda rouge, mais. Il était jaloux que je lui vole la vedette. C'est pour ça qu'il m'a... Quoi? Qu'il a tiré sur le... l'aéronef de Taze. C'est beau. What? Oh, ça va chercher loin. Oh, oh. Ah merde, c'était le flingue. Je l'ai pas reconnu. C'est une machine à soda, ça. Je m'en méfierais. Ah ouais, je choisis le moment où il y a la détente. Qu'est-ce que... Oui, j'allais dire, c'est pas possible. C'est du délire. Wow. Il y en a du monde sur les affiches. Il te reste 8 niveaux. Sérieux? Ah, t'as pas été livré dans le courrier du Lego. Ouais, bon bah tant pis. Ouais, t'improviseras autre chose demain. Ce soir, tu fais concert, Poupon, vers 23h ou pas? J'y pose la question comme on est samedi. Est-ce que c'est samedi musique ce soir chez toi, Poupon? Oh, c'est mignon le sorbet. Oui, mais 22h. Ah d'accord, ouais, tu fais 22h mini. Ouais, sinon t'es trop claqué, ouais, je comprends.
Avec les travaux, faut pas que tu... Oh! New musical! Oh yeah! Mais y'a un truc, c'est Majax! Ah non, mais c'est le brigand! Mais qu'est-ce qu'il vient faire sur scène, lui? Oui, Garcimov. Garcimov. Wow! C'est quoi ce perso? Aïe, merde, alors. Eh, je récupère mes anneaux, hein, je voudrais pas dire, mais. Je m'en sors plutôt bien. Merde. Il m'a eu au flingue. C'est bon, il est mort. On a quitté la scène. Bon, bah voilà. Fin du spectacle. Fin du spectacle. Ah. Quand t'es dans les déserts de Pretty Lantern. Ah, musique moderne. Pouk. Oh. Oh, 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 oh. Oh non. Non. Oh, ça me fait trop bizarre de le voir en version Aïe. Merde. Ah bah je commence très très mal. Alors, pour le moment, c'est la copie parfaite du niveau de Sonic 2. Ou pas. Ah merde. Une bêtise à pas faire. Dodi 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 oui. Dodi 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 dodi. Merde, j'ai loupé la... Le point de contrôle. Attends, si je peux... Merci, si je peux me barrer par là-bas, je préfère. Hein. Ah! Mauvais moment. Mais merde. Oh, en secours. Mais non, mais... Je vais crever. Oh, le stress. Oh. Attrapons la choucoupe volante qui a l'émeraude et c'est pas bien. Rendez-nous l'émeraude. Rendez-nous l'émeraude. Ah oui, il y avait un... D'accord. Ah d'accord. Ah, j'apprends des choses. J'apprends des choses. C'est ça qui est bon. Oh, pourquoi il m'a pas donné l'ordi avec les PPS? Scandale. Time over, ah bon. Voilà, 0 émeraude sur 7. Je crois qu'on n'est pas prêt de le voir en Sonic d'or dans cet opus. Croyez-moi. Revenez dans 10 ans et encore. Je serais peut-être devenu trop vieux. J'aurais plus de réflexe. Bon. Je
C'est l'heure de la douche de pétrole. C'est dégueulasse. Oula. Putain, j'ai vu le pic alors que ce Nick était en train de tomber dessus. La grosse flip. Et merde. Et je pourrais pas remonter. C'était maintenant ou jamais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulisse. Da 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 da. Da di do da. Quoi? Ah! Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait avec sa camionnette et... Non, 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 non. Ah, 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 oh. Oh, le saligo. Ouh, alors ça le prend comme ça. C'est moche. C'est très, très moche. Alors, monsieur clé à molette, là. Venez par ici que je vous défasse, que je vous démonte. Merde, il fait bobo avec son truc. Aïe. Merde. Ah merde, il faut être au milieu quand il fait ça. Faut être au milieu. Bon, bah on va aller voir Fun Fan. Wouh. Ah, c'était bien. Ah la vache. Je me fais, par rapport à l'heure, je me fais un petit chrono rapide, vous savez, vitesse. Non, surtout pas. Va pas me supprimer mon truc. Un petit contre-la-montre. Avec Knuckles. Voilà, Mighty et Ray. Mon dieu, je les connais pas eux. Mighty et Ray, je sais pas quoi ce qu'ils viennent dans l'histoire. Allez, Knuckles. On va faire Knuckles en Green Hill. Bah, c'était ce temps de le préparer quand même, Fun Fan. Tu me dis quand t'es prêt, puis je boucle mon chrono. Et ça permet de voir un autre aspect de Sonic Mania. Ah, c'était quoi? Merde. Ah, il est particulier, Knuckle. À pouvoir faire du vol plané... Oh là. Ah oui, d'ailleurs, il grimpe au mur, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, attends, faut que je reste appuyé deux fois, et là, il grimpe. D'accord. Mon chrono va être catastrophique. Salopard! Non mais j'hallucine! Comment qu'il m'a fait là, hein? Le crabe de mes deux là. Salopard! Alors attends. Ah merde. Je pensais qu'il fallait péter le mur avant de me ruer sur le crabe. Je ne touche plus à rien. Oh. Aïe, aïe, je vole. Ça doit bien lui chatouiller les poils du bidon là quand il atterrit comme ça. Wow. Je triche. Bop. C'est honteux. Toi aussi c'est honteux. Non, oh. Oh, c'est pour moi ça. Il n'attend que des que moi. Il n'attend des que moi. Oh, arrivé en immortel. Yeah. C'est quoi? Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. En plus, c'est, je crois que c'est la première fois que je joue avec Knuckle dans le chrono, là. T'es prêt? Allez, on va se faire un petit relais de chaîne. Je t'avouerai que je suis bien content de passer commentateur aussi. Ça me permet de souffler un peu de... Je suis en train de faire un pêle-mêle avec ma manette. De changer un peu les activités. Tout en restant avec vous, c'est un régal.
C'est que du bonheur. Mais merci. Alors, comment que ça se passe dans la coulisse? Ah bah oui, il va falloir que je fasse un... Vous avez gagné le droit de voir ma tronche. Là. En gros plan. Ah oui, il faut que je joue mon aviateur. J'ai toujours pas regardé pour réussir à balancer des relais de chaîne depuis mon logiciel de chat, là. J'ai toujours pas fait. J'ai dit, je vais le faire, et puis... Pff, à chaque fois, je zappe le truc. Faudrait que j'essaye éventuellement que je vois pendant que je te commente dans les 3 heures à venir. Si je peux pas résoudre mon... Pardon, optimiser mon logiciel et lui attribuer tous les droits. Alors, mon chat. J'aimerais avoir accès à mon chat. Non, ça, c'est le ralenti avec TwinSen dans Portal 2. Que j'ai commencé à me mater pour faire les clips. Voilà mon canal. Mon chat. Merde, je m'entends. Voilà mon canal. Au secours, je veux pas m'entendre en double, je vais devenir fou. Alors, Red, fun fan, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. J'avais gardé... Là, voilà, j'ai lancé le relais de chaîne. Je vais regarder mon historique de chaîne. Je sais plus si c'est passé des trucs spéciaux. Honteusement, je ne pourrais même plus dire depuis... J'ai démarré à quelle heure ce matin? 8h du mat, je crois. 8h30, je crois. Ouais, je crois qu'il était 8h30. Bah, avant hier, encore merci à Poupon qui a renouvelé son anniversaire. Non, renouvelé son anniversaire. Renouveler son abonnement sur ma chaîne. Sinon, non, il n'y avait rien de spécial. Bon, bah, c'est bien d'avoir des petites journées tranquilles comme ça, peinard pépouze. Bah, moi, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je reviendrai, je pense, pour le jeu de billes aux environs de 18h. Et là, on file chez Fun Fan. Quoi, je vais refaire une citation tout à l'heure, si tu veux. on file sur Lure of the Tempress. Et je vais vous parler de la biographie de Charles Cécile, le patron de la boîte qui a développé le jeu. Voilà. Allez, on y file. Merci d'avoir été là tout de suite. Et ceux qui regardent YouTube, les anonymes, tout ça, bisous, prenez soin de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Allez, go! Va falloir qu'on fasse la vocale aussi. Allô, allô, monsieur petit fun fan, où êtes-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai lancé, je sais pas, je pensais avoir lancé, puis j'ai pas lancé. C'est pas grave, le relais se fait bien. C'est cool. Je sais pas du coup si ça a bien marché. Si, si. Ah si, moi je suis chez toi, en mode automatique, ça a basculé. Alors moi par contre, faut que je coupe mon enregistrement. Bon, voilà. Voilà.